On va résoudre la machine Peekaboo sur Hack the Box, qui est une machine Linux de niveau hard. J'ai déjà son adresse IP et je viens de lancer un scan de port sur l'adresse IP avec un nmap -p- pour balayer tous les ports, -v pour énumérer les versions, -c pour énumérer en utilisant les scripts par défaut, -t4 pour essayer d'aller un peu vite, suivi de l'adresse IP. Donc ici on regarde un petit peu le scan de port, on voit qu'il y a du FTP sur le port 21 en TCP, on voit que c'est VSFTPD 3.0.3, c'est une réversion. C'est une version qui est récente, on peut regarder sur Metasploit, sur Searchploit ou encore sur Google, et on verra que c'est une version à jour. Le -sc qui utilise les scripts par défaut nous aurait vu s'il y avait de l'authentification en Anonymous, si c'était le cas on pourrait faire FTP suivi de l'adresse IP, et en username on aurait précisé Anonymous et un password on aurait mis null. Mais c'est pas le cas ici, sinon ça nous l'aurait détecté et affiché ici. Donc a priori on peut pas accéder au FTP à moins d'avoir un username et un password valide, ce qui n'est pas notre cas à l'heure actuelle. Ensuite on a OpenSSH, on a ni clé privée ni password, donc on pourra pas se connecter, et merci à toi Larsen pour ton Prime, pour ton Switch Prime. Donc a priori on n'a pas de surface d'attaque sur FTP parce que c'est à jour et qu'on n'a pas de mot de passe pour s'authentifier, ni sur SSH parce que c'est à jour et qu'on n'a rien pour s'authentifier. Donc on pourrait faire un scan UDP, hein, comme d'habitude je le fais pas parce que c'est long, mais là on a quelque chose, déjà on a du HTTP, c'est super intéressant, on va regarder ça, c'est une surface d'attaque qui est typiquement à regarder quoi. On voit déjà qu'il y a du Nginx, la machine a l'air de s'appeler Peekaboo. Donc c'est du HTTP, donc je mets HTTP et pas HTTPS. Suivi de l'adresse IP, je vois qu'il y a un site web. Première chose que je vais faire en background, je vais lancer un GoBuster pour brute forcer tous les répertoires du site web. Donc dir pour dire directory busting. -u pour préciser l'URL, je vais préciser http://lip. -w pour préciser une word list, je vais rajouter un petit peu de threads, je vais dire qu'il y en a 50. Et on voit déjà qu'il y a un slash admin qui peut être intéressant. On va regarder ça de plus près. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas un robots.txt. Déjà, je vois qu'il n'y a rien. Et s'il y a un dossier admin. Et je vois que ça me demande une authentification. Et je vais essayer admin, admin, voir si ça marche. Et admin, password, qui sont les user et mot de passe les plus communs. Aucun n'a marché. Je vois qu'il y a du Apache. Nginx plus Apache. Si vous vous souvenez, on a fait une machine qui s'appelait Seal sur Hack the Box il y a de cela 2 ou 3 semaines, qui expliquait qu'il y avait parfois des bypass lorsqu'on rencontrait des technologies de type reverse proxy, comme par exemple typiquement Nginx, et des services web comme par exemple typiquement Apache ou Apache Tomcat. Si jamais j'ai un HTTP 403, donc ça veut dire forbidden, peut-être que c'est bypassable. Si jamais on utilise Apache plus un Nginx dont le Nginx serait mal configuré. Ici on voit okapi.php point d'interrogation id égale 1 coming soon, donc moi j'avais essayé une SQL injection ici, j'avais passé énormément de temps, j'avais essayé 0, j'avais essayé moins 50, j'avais essayé plein d'injections SQL ici, ça n'avait rien donné. J'avais essayé de faire bugger cette variable en l'affichant en format array, ça n'avait rien donné. D'accéder à d'autres pages, d'essayer de brute forcer tous les fichiers en PHP. Contact.php, j'avais tenté une XSS. Est-ce qu'il y avait d'autres les images? J'avais essayé de regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a du directory listing? Non, on a un forbidden ici. Donc en gros, on se souvient qu'il y avait des bypasses possibles sur Nginx plus Apache. Ah oui, je m'étais renseigné aussi sur le code source de la page. Il y a marqué Poké API Integration Coming Soon. On peut voir que Poké API, c'est une API pour gérer des Pokémon. Ça se base sur GraphQL. Et quand on regarde, c'est open source. On peut voir son code source et on voit que ça fait pokeapi.co/api/v2. Et donc on se demande s'il n'y a pas /api/v2 qui est desservi sur le serveur web qu'on essaie d'exploiter ici, mais c'est pas le cas. C'est une fausse piste. Ensuite, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même qu'ils résolvent admin, administrator, admin 8. En fait, je peux faire admin. Je peux même faire ça, n'importe quoi, admin, je crois. Voyons, admin, est-ce que ça marche comme ça? Non. Il faut que ça démarre par admin alors. Et qu'ensuite je mets n'importe quoi. Et ça redirige vers une page d'admin, quoi qu'il arrive. Donc, que ce soit admin ou admin toto, ça redirige vers la page d'admin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un comportement typique que pourrait avoir Nginx. C'est sûr que comme on a du Apache, c'est sûr que cette page doit exister. http://lip/server-status. C'est sûr que ça existe. Parce que c'est du Apache, c'est comme ça. Quand j'y accède, j'obtiens un not found. Peut-être que le Nginx me bloque. Peut-être, j'en ai aucune idée. Mais c'était une des pistes que je me suis dit. Apache plus Nginx. Je vais essayer tous les bypass qui sont imaginables. En gros, un des bypass, ce serait images slash
point, 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 virgule, slash. L'idée, du coup, c'est d'essayer d'accéder à un dossier soit qui n'existe pas, soit qui existe. Point, 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 virgule, en gros, ça serait traduit par dossier précédent, et donc ça reculerait à nouveau la racine. Et ce serait traduit, du coup, par Nginx, qui prendrait pas un forbidden ou un not found, mais qui renverrait ça à Apache. Deuxième bypass possible, théorique, hein, on est en boîte noire, on n'a aucune idée de ce qu'il y a comme configuration. Si ça se trouve, c'est pas vulnérable, vous voyez ? Dans la vraie vie, on teste les trucs au pif, on sait pas. C'est le cas ici, on sait pas. Je vais tester ça, mais avec point, point, virgule, slash. Autre bypass, je vais essayer image, point, point, slash. C'est-à-dire un dossier qui serait peut-être mis en cache, point, point, slash, server status. Alors on va dire celui-là, c'est le bypass 4, du coup, plutôt, parce qu'il est plus complexe. Et le bypass 3, c'est tout simplement aller dans images. Alors c'est image ou images ? C'est images. C'est pas important pour les autres, c'est important que pour ce dossier-là. Parce qu'ici, c'est si jamais le dossier images slash étoile est mis en cache, si Nginx est mal configuré, il va se dire peut-être que si on essaie d'accéder à slash images, bah on essaie d'accéder tout simplement à une image, et donc c'est pas dangereux d'accéder à une image. Et donc, comme je veux aller vite et que le site web aille vite, je vais le mettre en cache. Donc j'essaie de résoudre, d'afficher le cache plus rapidement sans vérifier les permissions. Et si jamais c'était le cas, bah on pourrait juste aller dans Images, puis ressortir, puis afficher une page qui serait interdite. Essayons le bypass 1. J'ai not found, donc ça ne marche pas. Essayons le bypass 2. J'ai not found, ça ne marche pas. Essayons le bypass 3. Not found, ça ne marche pas. Et le bypass 4, ça ne marche pas. Dès qu'on essaie d'accéder à slash admin, ou slash administration, ou slash administrator, vous voyez ? Dès qu'il y avait admin dans le mot, ça résolvait vers la page d'admin, quoi qu'il arrivait. Ça veut dire qu'il y a une configuration Nginx du style pass rewriting. Donc, ce serait du genre location slash admin, où dedans, il y aurait proxy pass http devant slash slash 127.0.0.1 par exemple, nanana, sur slash admin slash, par exemple. C'est Akunetix qui a fait cet article, qui explique les différents potentiels bypass de reverse proxy. Donc, c'est pas une attaque précise, c'est une attaque générique au reverse proxy qui serait mal configurée. Et très souvent, on rencontre ce genre typique d'attaque communément sur Nginx plus Apache ou Nginx plus Apache Tomcat. On va s'intéresser un petit peu plus au bypass 4, ça n'a pas marché, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà, c'est ici. Exemple 2, ici on a un bug dans Nginx, mais ce bug est juste une conséquence de comment fonctionne Nginx, donc ce ne sera pas corrigé, c'est juste une erreur de configuration. Si on met une règle pour accéder à la localisation slash to app, et ici on a probablement une localisation slash admin, vous voyez, on reproduit la configuration typique d'ici en fait. Donc si jamais on fait to app, ou alors to app slash, ou alors to app anything, eh ben ça va tomber automatiquement vers la redirection ici. C'est ce qui nous arrive ici, puisque si on fait slash admin, ou slash admin slash, ou slash admin toto, ça va nous rediriger vers la location. Ici, on a probablement une localisation qui va rediriger vers un dossier d'admin qui est peut-être slash admin slash, par exemple. Et donc, il y aurait peut-être un bypass dans ce cas typique, qui est expliqué dans cet article. On pourrait éventuellement faire un bypass si on faisait get slash to app, point point slash other pass. Et dans ce cas-là, on pourrait se rediriger nous-mêmes et bypasser la résolution. Donc, au lieu de slash images, je vais mettre le dossier slash admin, point point slash server status. J'espère que si j'arrive à résoudre automatiquement admin suivi de n'importe quoi, ici ça sera admin suivi de point point, il va faire confiance à admin point point et résoudre automatiquement vers ça. Slash admin slash, voilà. Il s'en fout de ce que ça contient exactement puisque ça commence par admin et donc ça lui convient très bien, il sait que ça va aller dans slash admin slash. Sauf qu'il va continuer avec slash admin slash suivi du reste du blabla qu'on avait tapé. Et comme le reste du blabla qu'on avait tapé, bah, il y avait point point slash, bah, il va ressortir derrière le dossier parent de admin et revenir ici et tomber dans slash slash server status. Et comme slash slash ça donne slash, ça va donner server status. Et donc ça permet de contourner les protections éventuelles de Nginx pour tout simplement demander à Apache de lui exécuter ce qu'on lui demande de faire. Est-ce que ça marche ? Si ça marche pas, c'est qu'il n'y a pas de faille Nginx. Mais vous voyez ? Ça, c'était tout ce qu'il fallait tester pour être sûr. Et là, je teste. Et là, ça marche.
Donc on a réussi à bypasser Nginx pour afficher le server status. Et Nginx va traduire ça en ça. Apache va voir ça et il va se dire « Ok, donc je vais dans admin, puis je recule de admin. » Donc slash admin, slash point point slash, point point ça veut dire dossier précédent. Donc je simplifie, ça veut dire ça. Et il va se dire « Ah oui, bah, slash slash server status, ça veut juste dire slash server status. » Donc en gros, envoyer ça, ça résulte en ça du côté de Apache qui résulte en ça du côté de la requête HTTP. Et donc, si jamais on repose sur Nginx pour bloquer les requêtes illégitimes, ce qui est le cas a priori ici, ben, on peut contourner ces protections. Donc maintenant qu'on affiche server status, on se demande s'il n'y a pas des choses dedans. D'habitude, on ne prend pas toujours le soin ni le temps de regarder cette page, mais ici, en l'occurrence, c'est très important de regarder. Ça fuite le vhost sur localhost 2.80. On voit des logs, en fait. On voit un get slash admin staging, slash pocketdex, slash admin, slash tout ça, slash pocketdex, point, point, virgule, slash server status. Bon, ici, on a slash admin staging. On ne peut pas y accéder comme ça, mais de la même manière qu'on a bypassé pour accéder au server status, j'ai envie de bypasser pour essayer d'accéder à slash admin staging. Et là, on a un failed to connect to 127.0.0.1.2.81. Je vais essayer avec un slash ici, peut-être. Est-ce que ça avait marché comme ça? Ah, d'accord. Bon, maintenant qu'on est sur site web, on regarde un petit peu. On voit qu'il y a du jQuery, on voit qu'il y a du Core.js, tiens. On voit qu'il y a du PHP, tout à fait. Donc, assez improbable qu'on ait du log4j, du coup. Vous voyez? PHP. Voilà, on peut regarder un petit peu ce qu'il y a sur le site. C'est un site qui a l'air un peu vide et qui nous apprend pas grand-chose. Ah, il y a un lien intéressant. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, tac, un autre lien intéressant. Je vais l'ouvrir. Et je me demande s'il n'y a pas une local file inclusion ici. Donc, je vais essayer, je sais pas moi, de transformer ça en array, en tableau. Pour voir si ça génère pas une erreur. J'affiche la source, voir. Et donc, j'ai pas réussi à générer d'erreur ici. Je vais essayer d'accéder à une page qui n'existerait pas, genre toto.php. Ça donne rien. J'essaie d'accéder à point. J'essaie d'accéder à point point. Slash etc slash passwd. Et ça donne rien. Ici tables.php ça a marché. Donc je me demande si je peux pas faire toto slash tables.php ça devrait pas marcher. Et si je mets point point slash tables.php ça marche. Enfin si je mets toto slash titi slash point point slash point point slash tables.php ça marche, mais si j'enlève un point ici ça marche plus. Ça veut dire qu'il a l'air de quand même résoudre mon chemin et qu'il y a peut-être moyen de faire une local file inclusion et pourtant j'arrive pas à afficher etc passwd, j'arrive pas non plus à faire point point slash avec plein de point point slash etc slash passwd et donc un petit peu bloquant à ce niveau-là. Maintenant, j'ai envie de faire du fuzzing sur cette page. Donc, je vais copier-coller cette page et je vais lancer un wfuzz. Mais comme wfuzz, il y a plus rapide, il y a fuf, qui est encore plus rapide. Je vais utiliser fuf et là, je vais fuzzer pour essayer de voir s'il n'y a pas une local file inclusion. Et voilà, il faut que j'utilise un dictionnaire. Je vais utiliser un dictionnaire qui s'appelle LFI Linux et c'est celui qui fournit ça. C'est le même qui a fait l'inpiz. Carlos Poplop, un truc comme ça. Voilà. Pass traversal. Carlos. Poplop, Hacktrix. File inclusion. Main word list, file inclusion, Linux. Voilà. Word list. Voilà. Ici, il y a file inclusion Linux et file inclusion Windows. C'est des très bonnes word lists. Donc, je vais prendre la Linux et la Windows. Je vais même les download. Comme ça, je les aurai sous la main. Pour les prochaines fois, je vais utiliser ici comme dictionnaire, comme wordlist, je vais utiliser mon file inclusion Linux. Le lance. Ah, j'ai pas fuf. Ah ouais? Ok. C'est moi qui ai fait une faute, c'est fuf. Comment je l'avais marqué? J'avais marqué fuff, mais en fait c'est fffuf. Bon. Bon, après wfuzz marche, mais l'avantage c'est que fuf, c'est comme wfuzz, mais en plus rapide, parce que c'est écrit en Go, il me semble. Par contre, je l'interromps tout de suite. Parce qu'il s'excite beaucoup pour rien. Enfin, on a des pages qui donnent pas de retour et donc ça fait cette taille précise. Et moi, je vais éliminer tout ce qui fait cette taille précise
et je regarde dans le help comment on fait pour éliminer tout ce qui ferait la taille de tant de caractères. Voilà, filter options, -fc pour filtrer le nombre de caractères, fl pour line, donc c'est -fs pour filter on size, et moi la taille que j'avais notée c'était 15349. Comme ça, j'affiche tout sauf ce qui fait cette taille. Est-ce que je peux rediriger les erreurs dans slash dev nul pour épurer un petit peu mon écran? Ouais, nickel. Vous voyez? C'est plus propre. Et donc, en fait, on voit qu'on a un panel ultra restreint de file inclusion possible. On a le droit de fuiter des fichiers slash var slash log slash fail log. J'affiche le code source parce que peut-être ça marchera mieux. Page source. Et là, on voit effectivement des caractères buggés et on suppose que ça vient des fichiers de log. Le deuxième chemin qu'on a trouvé, c'est last log. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Last log. Ok. On a un truc bizarre. Page source. Ça affiche encore un truc bizarre. C'était TTY bizarre. On arrive à fuiter vsftp.log. Et ça, c'est peut-être intéressant. On va voir pourquoi. Ok, j'affiche le code source pour afficher plus proprement. Ok, là on voit des logs de vsftpd. On avait vu tout à l'heure que le service vsftpd est exécuté sur ce serveur. Et ici, on voit justement les logs de vsftpd. Mais on ne fait pas que lire des fichiers, puisqu'on est en train d'inclure le fichier dans un script PHP. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de l'afficher comme si c'était un fichier .txt, on l'inclut dans un fichier index.php. Donc si jamais dans ces fichiers de log, il y avait non pas, je sais pas moi, ici il y a user anonymous. Si au lieu de user anonymous, il y avait user suivi d'un code PHP, comme on est en train d'inclure ça dans index.php, le fait de le lire dans un fichier PHP, ça va non pas seulement le lire, mais les balises PHP, ça va les interpréter et donc exécuter le code PHP qu'on pourrait injecter. On appelle ça du log poisoning ou du PHP code injection. Ça veut dire que si on arrive à modifier ce fichier, on pourrait peut-être écrire du code PHP. Et là, on voit qu'il y a user anonymous pass password. Donc, il ne log pas les passwords. Et par contre, il log le username ici. Donc, il y a moyen peut-être d'injecter, au lieu d'envoyer la commande quit, d'envoyer du code PHP ici. Ou il y a moyen de faire user au lieu de marquer le nom du username. User suivi de anonymous, on pourrait faire user suivi du code PHP. C'est une idée. Autre chose que j'ai envie de chercher, c'est voir si je peux pas fuiter un username. Donc je vais faire un ctrl F user. Je vois qu'il y a user anonymous, user 0xdf, user pound meow, login incorrect. Ici on a un login. Le seul endroit où on voit un login successful, c'est pour le user pound meow. Donc on peut tenter, à la place du username, injecter du code PHP. Mais il me faut un reverse shell PHP. J'aime pas celui-là. A tiny PHP bias reverse shell. Je crois que c'est peut-être celui-là qui m'intéressait. Ouais, c'est celui-là. Voilà, celui-là il est très stable, je l'aime beaucoup. Je vais y mettre une balise PHP ici. Tac, point d'interrogation PHP, suivi de mon adresse IP sur le port 9001. Point d'interrogation, voilà. Et ici, je vais essayer de me loguer en FTP. Tac. Et user, au lieu de marquer un username ici, je vais marquer mon reverse shell. Tac. Paf. Évidemment, il me dit spécifier le password. Je vais mettre un mauvais mot de passe. Il me dit login failed. Bye. Normalement, ça a été enregistré dans les fichiers de log. Ça n'a pas l'air de marcher mieux. Je vais réessayer sans le point virgule, peut-être ici. Je me connecte user, je vais mettre ce username. C'est bon, je l'ai injecté. Donc je vais revenir sur ça pour voir le résultat. Et je vais essayer de faire un refresh de la page et voir si ça marche pas mieux. Et yes, ça a marché. J'ai juste fait un refresh et ça a marché. Donc je sais pas trop. D'une manière ou d'une autre, on dirait que le point virgule, il l'a pas aimé. Ben, moins on met de choses, mieux ça vaut en fait. Plus il est simple, plus il y a de chances que ça marche. Maintenant que j'ai mon reverse shell, je vais voir s'il y a Python. Which Python? Ok, il y a Python. Donc je vais me donner un shell TTY en faisant un python-c, où dedans je mets un import PTY, pty.spawn, slash bin, slash bash. Ça permet de rendre le shell plus stable, notamment parce que si jamais il y a de l'interactivité avec le shell, si jamais on fait une commande comme sudo et qu'ensuite ça nous demande un password, bah que ça ne nous casse pas le shell
et que ça nous affiche bien l'affichage de la demande du password. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais ID, je vois que je suis 3wdata. Ouais, who am I? 3wdata. Est-ce que je peux faire un sudo-l? Il me dit sudo not found. Ok. Est-ce que je peux faire slash bin slash sudo-l? Et il me dit not found. No such file. Ok. crontab-l. Y a pas. Est-ce que je peux faire un cat slash etc slash crontab? Et incroyablement, on arrive à voir un crontab qui appartient à root. Normalement, les crontabs de root sont à root et on ne peut pas les voir. Mais ici, il les a écrits dans ce fichier dans lequel on a les droits en lecture. Donc, on voit un crontab intéressant. Ce script, est-ce qu'on a les droits en écriture dessus? ls-. Alors, je nettoie un petit peu. Est-ce que je peux faire ls-alt de ça? Et je vois que je n'ai que les droits en lecture dessus. Donc, je ne peux pas y écrire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce script? Voyons. Il regarde dans le dossier SRV slash FTP slash étoile. Pour chaque dossier du coup qui s'y trouverait, il va faire un CD dans le dossier et il va y exécuter notre script qui est exécuté par root, suivi de $baseName $D étoile CSV. Et ensuite, il fait un RM étoile. -RF étoile. Donc si jamais il y a un fichier qui termine par CSV, par exemple, le script va finir par faire CSV update de $test, comme ça. Donc ça veut dire que si on arrive à créer un dossier dans lequel il y aura un fichier qui finit en CSV, dont le nom est une commande, bah cette commande serait exécutée. Maintenant la question c'est qu'est-ce que c'est ce fichier là? On voit que c'est un Perl script, base name composer.json. Voilà, ça affiche composer.json. Ça affiche le nom du fichier tout simplement. Il garde l'extension par contre du coup. Si je fais base name de point slash composer.json, il affiche composer.json. Ici c'est un script Perl. On regarde un petit peu à quoi il ressemble. Bon, il fait plein de choses on dirait. Donc il essaie d'ouvrir le fichier seulement s'il finit en point CSV on dirait. Dans le CSV dir. Donc voilà, ça prouve qu'il fallait effectivement créer un dossier du genre Toto on va dire. Dans lequel il y a test.csv. Et il va faire un open du file name. Il faut savoir que Perl, c'est un langage de script qui est assez vulnérable à de la command injection, notamment quand on essaie de faire des includes, si jamais vous avez un site web qui est en Perl, ce qu'on voit plus jamais aujourd'hui, mais à une époque on voyait souvent ça, avec des scripts CGI par exemple, on pouvait faire des bypass, notamment avec des commandes injection du genre pipe ls ou pipe pipe ls ou encore and ls ou and and ls point virgule ls, des choses comme ça. Avec du Perl, typiquement on a envie de faire pipe ls, en gros pipe suivi de command injection. Si jamais notre fichier s'appelle pipe id.csv, ça ferait ça, pipe id.csv, un truc comme ça. En général, c'est toujours sympa de regarder dans OPT pour voir ce qui est installé. Et ici, je vois quoi? Je vois Poké API. C'est en rapport avec notre site web Pokémon API. Je vais dans Poké API, LS. Je vois qu'il y a un dossier config. Ça m'intéresse peut-être. Parce que dans les configs, il y a des fois des mots de passe. Et je vois qu'il y a un fichier settings.py. Settings, c'est typiquement là où il y aurait des paramètres de config. Donc je vais faire un cat de settings.py. Il est gros, donc je vais faire un cat de settings.py, mais je vais faire un pipe grep-i password. Pour pas m'embêter. Et je vois un password. Bim. Ouais, A c'est pour after, B c'est pour before. Et C c'est pour les deux. Boss, en fait. Et donc je vais faire un tiret C majuscule 10. Et je vais rajouter un tiret tiret color. Non, ça résout pas la couleur là, parce qu'on a un shell assez basique. Mais en gros, voilà, j'ai tapé cette commande là. Ici on voit password. Et on voit tout ce qui englobe ce password. Donc on voit qu'il y a un engine, qu'il y a un moteur LDAP qui essaie de résoudre cet objet LDAP en fait. Hacktricks. Et je vais faire LDAP read, donc pentesting LDAP. Ça parle de LDAP injection, c'est un petit peu subtil, c'est si jamais on arrive à interagir avec des requêtes qui vont aller dans LDAP. Nous on veut juste faire de l'énumération basique, manuelle. La commande LDAP search va nous intéresser. Et donc voilà comment ça marche. Donc j'ai copié-collé cette commande là. -x pour dire explore. Enfin c'est moi qui le surnomme comme ça, mais -x ça veut dire s'authentifier, authenticate quoi. -h suivi de l'adresse IP, -d majuscule le domaine, anti-slash le username. Le domaine, on peut copier-coller tout simplement tout ça à peekaboo
.htb. On va dans l'OU, donc l'objet. Alors, OU, c'est Organizational Unit. Donc, une sorte d'objet dans lequel ça stocke tous les users. Et BindUser, apparemment, c'est le username. C'est le nom du username qui se trouve dans l'OU users, qui se trouve sur l'annuaire LDAP. Voilà, je copie-colle tout ça, même avec les guillemets d'ailleurs. Anti/slash username, on n'a pas besoin, puisque nous, le username est inclus. -w, c'est pour préciser le password. Et -b, donc ici, on va dire que c'est peekaboo, en gros, ici, virgule, htb. DC égale htb, comme ça. Et ici, du coup, on fait aucun filtre, on va juste dumper tout l'annuaire LDAP, ce qui va être énorme dans la vraie vie. Mais ici, on a un annuaire LDAP très petit. Donc, je peux, à distance, m'authentifier sur l'annuaire LDAP. Ah, ça n'a pas marché, tiens. Donc, quelque chose ne va pas. Dans le Nmap, il n'y a pas de port 389. 389, c'est le port par défaut de LDAP. Donc, ce n'est pas un port qui est exposé sur le réseau, donc on ne pourra pas le faire à distance. Par contre, c'est probablement un port qui est exposé en local. Donc, on va essayer de le faire, maintenant qu'on a un shell, sur localhost de la victime, de la cible. Donc là, je vais aller sur le shell, ici, et je regarde s'il y a la commande LDAP search. On voit qu'elle y est, et donc je vais exécuter ceci. Bim! J'ai tapé la commande ici. Là, on arrive à dumper tout l'annuaire LDAP. Donc on lit un peu tout. Là, c'est le filter pour dire qu'on filtrait rien, en fait, qu'on requestait tout. Peekaboo.htb, distinguished name, le domain controller, c'est peekaboo. ftp.peekaboo.htb. Alors, il y a un mec qui s'appelle Pound Miao. Il a un bin bash, son UID c'est 10 000. Et user password, c'est ceci. Et on a un base64. Alors, on va regarder ça déjà. Donc, je vais faire un écho de ça. Donc, base64-d pour le décoder. Et là, on a le password de Pound Miao. Et on a également un user qui s'appelle BindUser. Et son password, c'est ça. Donc, je fais un écho de ça. Que je pipe dans base64-d pour le décoder. Et son mot de passe, c'est ceci. Et on voit que c'est le même mot de passe que ce qu'on avait eu là-haut. Donc c'est normal, on l'avait déjà en fait. On l'avait déjà tout simplement, on le savait. Donc on a un user qui est capable de s'authentifier sur le LDAP avec ce mot de passe. Et un user qui est un objet du domaine, enfin un objet de l'Organizational Unit User. Donc ce username a ce mot de passe. Stocké donc directement en clair dans le LDAP. J'ai envie d'essayer de me connecter maintenant au FTP. Puisque mon but depuis tout à l'heure, c'est d'écrire dans le dossier FTP. Parce que si j'arrive à écrire dedans, ça voudrait dire que j'arriverais peut-être à écrire un .csv bidouillé pour que root, qui passe là toutes les minutes, exécute ce script dangereux que je vais injecter. FTP de l'adresse IP, le username avec lequel on veut s'authentifier, c'est poundmiao, et le password, c'est celui qu'on vient de fuiter. Login successful. Et là, je peux faire ls. Et je vois plein de fichiers. Je vais faire ls-a, voilà, point. Et j'ai droit en read et pas write, d'accord, bizarre. Ah oui, mais je suis le user FTP en fait. Grâce à ce user, normalement, j'ai le droit. Maintenant, ma question, c'est est-ce que je peux put un fichier, tout simplement. Je vais essayer de poser un fichier, on va vite voir si j'ai le droit en écriture. Et ici, je vais faire put toto. Et là, il dit could not create file, ok. Là, il y a le dossier version. Il faut que j'écrive dans un sous-dossier, donc de toute façon, je vais essayer d'aller dans, je sais pas, version par exemple, c'est des versions. ls. Est-ce que je peux faire put.slash/toto? Ok, to send data, transfer complete. Ah, ça a marché. Mais j'ai pas le droit de le lister, on dirait. Ok, mais ça a marché. put.slash/toto. Il dit ok, transfer complete. Bon, ben voilà, j'ai pas le droit de lister. Ok, sans doute que c'est pour pas spoiler les challengers. Donc l'idée maintenant, c'est d'écrire un .csv malveillant. Je dois créer un fichier qui contiendrait pipe suivi d'une commande injection en Python parce qu'on a vu qu'il y avait Python. Donc en gros, comme il y a Python, pour avoir un reverse shell Python, c'est sûr. On va réussir à faire de la commande exécution, de la commande injection dans le script Perl qui est exécuté par root grâce à la crontab. Donc vous vous souvenez, toutes les minutes, il y a un script bash qui est exécuté. Ce script bash exécute un script Perl. Il prend en compte en paramètre le base name du fichier, .csv. Si dans le base name, il y a une commande, il va open le fichier avec Perl. Donc si on ouvre un fichier avec Perl qui contient pipe suivi de ls, ça va exécuter ls. Donc moi, je vais faire pipe suivi d'un reverse shell en Python. Voilà, et ensuite .csv, ça va faire bugger la syntaxe. Donc je vais faire un truc genre point virgule pour finir l'exécution de commande bash
suivi d'un echo de .csv par exemple, un truc comme ça. Comme ça, ça va exécuter une deuxième commande qui fait un echo qui sera inoffensive et qui va pas casser la, qui va pas générer une erreur de syntaxe sur notre reverse shell principal. Voyez l'idée. Vous voyez mon reverse shell metasploit? Il m'a l'air bien, mais il est compliqué, il y a plein de caractères chelous. Et moi, j'aimerais qu'en gros, mon fichier s'appelle pipe, suivi de tout ça, point virgule, echo, point .csv. Le problème, c'est qu'il y a le caractère slash. Ici, je veux créer un fichier qui s'appelle titi slash lol. Il me dit, non, j'ai pas le droit, je peux pas, no such file. En fait, il essaie de créer le fichier lol dans le dossier titi. Et jamais on arrivera à lui faire créer un fichier qui contient le caractère slash dans le nom de fichier. Soit on fait de l'encoding, soit on se débrouille pour faire sans le slash. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est faire sans le slash. J'essaie de choper un reverse shell Python, mais je veux pas qu'il y ait slash. Je vais essayer d'utiliser celui-là, ce reverse shell Python du coup. Déjà, vous voyez, il y a des slash ici. Ça me va pas qu'il y ait slash. Donc je vais remplacer slash bin slash sh par juste sh, tout simplement. En espérant que ce soit résolu automatiquement. L'avantage, c'est que ça m'enlève les slash. D'habitude, on rajoute les slash bin slash sh pour ajouter de la compatibilité pour que ce soit résolu plus facilement. Et ici, au contraire, ça va nous rajouter de l'incompatibilité avec ce qu'on veut faire. Je veux un reverse shell sur le port 9002 et sur mon adresse IP. Je vais essayer de copier-coller ça en dessous. Et je vais faire un touch, entre guillemets, de tout ça. Mais il faut que je rajoute le caractère pipe devant pour pouvoir faire la commande injection typique des injections de commande Perl. Maintenant, il faut que j'escape les double quotes. Donc, je cherche tous les double quotes et je les anti-slash. Anti-slash ça. Anti-slash ça. Je crois que c'est pas mal. Et anti-slash ça. Et ça. Et ça. Et ça. Voilà. Donc, mon touch, il s'arrête pas là. Ce fichier doit également contenir le caractère ensuite point, virgule, echo. Il doit finir en .csv. Mais je fais pas juste .csv, sinon ça risque de faire une erreur de syntaxe Python. Donc je fais un point virgule, comme ça mon Python il est intègre, et ensuite je fais un echo de .csv pour rendre inoffensif l'extension .csv. Je me mets en écoute, voilà, sur le port 9002. Et je vais faire un touch du coup de ce fichier là, dans un autre shell là, par exemple ici, ls, je vais faire un rm de toto, j'en ai plus besoin, il n'y a plus de fichier, et je fais ce touch, ok? Bim, ls, et j'ai créé le fameux fichier qui s'appelle reverse shell python point virgule echo.csv. Et ça, c'est un fichier qui contient l'extension .csv. Et maintenant, je vais essayer de put ce fichier. Pourquoi je veux pas de slash? Tout simplement parce que il est impossible. Le kernel Linux ne permet pas la création, ni même l'existence d'un fichier qui contiendrait un slash dans son nom de fichier. C'est impossible. Il y a un fichier avec slash dans le nom, c'est impossible parce que slash est entièrement réservé au déplacement d'un dossier à l'autre. Is it possible to use slash in a file name sur Stack Overflow? Vous ne pouvez pas, à moins que le système de fichiers possède un bug. Voici pourquoi. Et bon, il explique en gros, les fichiers c'est un terme aux appels système du kernel Linux. Ne gère pas le slash, quoi. Voilà, while name égale slash, in plus plus. En gros, si jamais le name c'est slash, c'est qu'en gros, on va dans un dossier, du coup. Donc, si le système de fichiers supporte le fait qu'il y ait un slash dans un fichier, c'est soit parce qu'il y a un caractère Unicode ou quelque chose qui ressemble à un slash mais qui n'en est pas un, ou alors il y a un bug. Donc non, on ne peut pas avoir slash dans un nom de fichier. Je suis obligé donc de créer un fichier qui contient une payload malveillante mais sans slash. Sinon, c'est pas possible. Ah, j'ai un syntax error ok. Je vais faire put.slash tab. Et je vais juste accepter ça. No such file. Je vais le mettre entre simple quote alors, peut-être. Ah oui, mais il faut que j'escape les simples quotes. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Il y a vachement plus facile. ls, j'ai un seul fichier ici. Vous voyez, ls-al. ls-al plutôt. Voilà. J'ai un seul fichier. Je vais faire put étoile. Ok, je me mets en listening sur le port 9002. Je vais sur le truc FTP. Écoutez, je vais refaire un put étoile, on va voir ce que ça donne. Si, ça marche très bien. On est out! On a juste pris un reverse shell sur Pentest Monkey, celui-là, mais il fallait absolument changer slash bin slash ba, slash sh par juste sh. Ensuite, j'ai fait un touch de pipe python suivi du reverse shell avec un point virgule echo.csv, parce qu'il fallait que ce soit un point .csv dans un sous-dossier, il fallait bien anti-slasher tous les double quotes, hein. Et il fallait juste le put. La syntaxe du put était pénible,
y a sans doute un trick pour escaper les caractères et tout, mais moi j'ai juste fait put étoile. Il cherche pas à résoudre des caractères, il put tous les fichiers, et en l'occurrence il n'y en a qu'un seul. Et ça marche, il exécute dans la foulée, et ça me donne un shell en tant que root, et donc on a le flag. Donc l'essentiel à retenir, c'est que quand on voit du Nginx plus du Apache, ou du Nginx plus du Apache Tomcat, il faut tester des bypass. Surtout si jamais on voit des comportements typiques d'un pass rewriting, donc une réécriture de chemin, côté Nginx sur un folder, par exemple sur admin étoile. Et donc on pourrait tester ce genre de syntaxe, slash admin, point point, slash server status. Avec la faille include, il fallait utiliser le bon dictionnaire pour brute forcer d'ailleurs cette faille include. Et ensuite il fallait bien savoir comment se servir de la commande LDAP search, avec ce genre de commande là, pour pouvoir récupérer tout le contenu du LDAP. Et ensuite il fallait bien retenir que quand on fait un touch d'un fichier, il faut absolument qu'il n'y ait pas de slash, parce qu'on ne peut pas techniquement créer un fichier où il y a un slash dans le nom de fichier. Et il faut absolument démarrer ce nom de fichier avec un pipe quand on fait une commande injection Perl, parce que c'est comme ça que marchent les commandes injection Perl, c'est une faiblesse de Perl en fait, de sa syntaxe. Et donc c'est tout pour ce soir, merci beaucoup à tout le monde, ciao ciao.